Oui, mais tu ne dis pas pourquoi, on s'en fout. Ah, je vais me griller une clope. Parfois, je vaut mieux pas de savoir. Je vais fumer une clope. Putain de clope, une tige, il me faut de la nicotine, mon pote. Il me faut de la Nico, la Nico, la Nicola. Prédiction des poulets. Prennent de la nicotine, les gars. Fumez de la nicotine. Ne le faites pas. C'est de la merde. Après, vous êtes dépendant comme moi, comme une vieille loque, sans aucune volonté. Pas fou. Fumer une drogue de merde qui est la cigarette, parce que c'est de la drogue, hein. Les gens qui sont là disent mais c'est pas de la drogue. La cigarette est une drogue. Légalisée, commercialisée, mais c'est une drogue. Voilà, je vous le dis. Sur ce, je vais me droguer. Jastre Zubet for Vamons. 6-4 et 6-4 chef.
Merci Flamby pour les 20 mois, t'es un monstre. Mmh, mmh, mmh. Et merci Tisma le monstre. Merci d'avoir offert à Asuna, Tisa, Dirty Didik, Duke Pewer et Fabio leur droit de scolarité et Twitch d'avoir enchéri avec Joel de lui avoir offert aussi un sub. Parce qu'en ce moment, quand vous donnez des sub gifts, et ben Twitch en rajoute au bout, donc n'hésitez pas. Et en plus, les subs sont moins chers pendant le September. Merci Tisma. Merci, t'es un monstre poulet, faut pas. Garde l'argent que t'as durement acquis en vendant des vélos à des gens qui s'épilent les pieds. Putain, les dates du Maroc me manquent. Les Majgoules là. Aïe aïe aïe. Mon coup de fil pour acheter un vélo. Tellement longtemps. J'en ai un en plus. Tellement longtemps que je suis pas monté sur un vélo. Uaxinx. Le choix dans la date. Eh ouais. Merci Teizusha pour les 2 mois. T'es un monstre poulet. Je sais pas pourquoi ça n'a pas fait l'alerte. C'est bon l'après-dit? Black Ice. Pas du tout. Coliseum polymère. Tiens, en parlant de Coliseum polymère, vous avez vu le trailer de Gladiator 2? Hein, Mary? Mary? Oh là là, les monstres. Merci Elban, merci mon poulet, vraiment, d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité pour Agent, James, Zoro, Rems et Moonlight. Et comme je le disais, il y a des bonus. Et donc Twitch envoie aussi à Tidiane Robust ses droits de scolarité. Donc merci Elban, t'es un putain de monstre, vraiment, ça me touche énormément, vous êtes des monstres. Envoyez des GG, des cœurs pour Tisma, Gothic War, Elban. Il y a eu Twitch qui a offert 15, il y a eu Drop Six Pack, il y a eu Natouf Latouf Tétouf, les monstres, vraiment. Et Gladiator 2, j'ai visité le tournage du coup. Enfin, le site du tournage, quoi. C'est assez impressionnant. Et... C'est quoi ton film préféré, Mary? Mon film préféré? J'en ai deux quasiment ex aequo. Hit Gladiator. Et t'as vu le trailer de Gladiator 2? Je l'ai vu. Ça se trouve, le film est bien, je ne sais pas. Bah. Le problème du clip, et c'est, j'avais fait un truc en live là-dessus, quelle est la force de Gladiator, au-delà du scénario, de la réalisation, des acteurs et tout, c'était sa musique. À quel moment, dans le trailer, Zimmer, tu décides de mettre du rap moderne? Du rap moderne? Ah ouais, regarde bien le trailer, regarde bien la bande-annonce, la première bande-annonce de Gladiator 2. Et regarde la fin. La dernière partie du trailer. C'est bah du après, ils sont obligés de faire un truc un peu à la sauce Marvel. Quoi, hein. Après, le film, est-ce qu'il va être bon? Je sais pas. Le personnage de Denzel Washington, il a l'air extraordinaire par contre. Ouais. Hein. C'est pas Alzheimer aux manettes, mais bon, je crois que... Je sais pas, je sais pas du tout à quoi m'attendre, donc je veux pas me spoil, je veux pas partir avec des avis négatifs ou pas. Tout ce que je sais, c'est que le trailer, je l'ai pas aimé en soi. J'ai trouvé qu'il était trop long, il montrait trop de trucs, et la musique était choisie était catastrophique. Maintenant, je ne sais pas ce que vaudra le film, vraiment. C'est bon, t'as tout mangé, bébé? Il parle à sa mère. Ouais, moi j'ai regardé, ça claque quand même. Hein. Pour une fois, j'étais en mode putain la vache, ça claque. Bon, après, bon, voilà, à voir. Hein. Mais j'ai visité du coup une partie du tournage au Maroc. Ouais, ça a dû être magnifique. Ouais, c'était sympa. C'était bien sympa. Ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est quoi le dernier film que je suis allé voir au cinéma? Ah, si, le. Tu l'as pas vu du coup? Le truc français là?
Le comte de Monte Cristo. Monte Carlo. Ouais, le comte de Monte Carlo. Non, ce qui est pareil, il y a très bonne critique. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ouais, je pense que je le regarderai à l'occasion. Ouais, il est sympa. Dune 2, je l'ai vu, j'ai bien aimé Dune 2. Oh, moi j'ai surkiffé Dune. Ah ouais, j'ai vraiment bien aimé. L'atmosphère, la réalisation. T'as vu le 1 au moins ? Alors, je vais acheter des trucs pour les dormes, ça c'est autre chose. Et je vais acheter des nouvelles trucs à puce. Donc, ça, on va les tester. Tu parles de ta mère là ou ? Ouais, toujours. Ok. C'est pour son pubis. Ok. Alors vous voyez, c'est une petite brosse comme ça. Et puis vous brossez le pubis de votre mère. Hein. Alors toujours dans le sens du poil, hein. Jamais contre poil, parce que ça peut tirer, ça peut faire mal. Il y en a plusieurs, voilà. Différents peignes à pubis. Tiens Max, viens, on va tester ça maintenant. Viens. En tout cas, tu kiffes tes trucs. Hein. Viens. Je pense qu'ils auraient pas dû quand même l'appeler Gladiator 2. Ouais, je suis d'accord. Ils auraient quand même pu jurer, même si c'était Gladiator The New Beginning, tu vois, Gladiator 2, ça fait reloading. Un peu comme ils ont fait Ghost quoi. Of Tsushima. La suite de Ghost of Tsushima n'est pas une suite en soi. Ils l'ont appelé Ghost of Fyote. Tu vois, ils auraient dû faire un peu la même manœuvre. Au lieu de l'appeler Gladiator, ils auraient dû l'appeler... The Emperor ou je sais ouais, pas le n'importe rapport quoi. Avec l'histoire tu vois n'importe quoi ils pouvaient l'appeler même the New Beginning ou The Beginning of Time ou mais tu mets pas un 2 en fait 2 ouais, ouais, c'est Rambo 2 c'est Rocky 2 c'est avec le même acteur c'est l'iPhone en fait, 2 c'est quoi. Avec le même cast c'est vraiment s'adapter au je sais pas. C'est vraiment genre, les gens sont trop cons, donc faut leur expliquer quand même que c'est le 2, quoi, machin. Tu pouvais faire un truc Gladiator 2 points, tu vois. T'as aimé, toi, les Sons of, enfin, Sins of the Father, tu vois, n'importe quoi, en fait. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Après, le casting a l'air très bon. Je pense que l'histoire sera bonne. Mais je trouve que dans le trailer, ils ont montré trop de trucs avec le comme rhinocéros, hein. Ouais, mais le faut truc pas des regarder requins, les trailers de toute façon. Le siège. Ouais, bah, du coup, t'as un peu toute la thématique, quoi. Et ils te montrent même la technique de comment il va faire pour contrer le. Au lieu de laisser l'intrigue, on voit un rhinocéros, par exemple. Et on le voit qu'il va être prêt à charger. Bah, tu cuts, tu vois. Maintenant, là, ils te montrent l'intrigue de comment il le bait et comment le rhinocéros se prend le mur. Non, mais ça, c'est sûr. C'est débile, quoi. Enfin, c'est du détail, mais j'ai trouvé le trailer pas bon. Voilà. Et est-ce que t'as vu... merde, ça s'appelle comment ? C'est Atomic City... Asteroid City ? Ou... Non, ça me parle pas. C'est Wes Anderson. Ah, mais c'est pas avec... comment il s'appelle, le qui joue Batman, là ? Non, mais... Christian Bale ? J'avais beaucoup d'a priori sur lui au début. Parce lequel qu'il Batman ? Parce qu'il y en a... Robert Pattinson. Et finalement, non, il est pas dedans. Non. Non, c'est Wes Anderson. Il a fait un film avec Wes Anderson. Ah bah là, le casting, mec. Ça s'appelle Metroid ou je sais plus quoi. Toutes les 3 secondes, il y a une star, quoi. C'est Wes Anderson, ça. Dans tous ses films, ouais. Enfin, le présentateur film, du mais... truc. Enfin, c'est un truc. C'est un peu chelou. C'est. Mais regarde-le, c'est pas si mal. Mais le casting est genre hallucinant, quoi. Dedans, il y a Adrien Brody, il y a la meuf qui joue dans La Blonde, là. Il y a Margot Robbie, mais il y a l'autre blonde qui était le sex symbol. Alice Theron? Non. Sharon Stone? Non, pas si vieille. Genre celle qui joue dans, il me semble, Vicky Cristina Barcelona. Non, c'est pas elle? Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, ouais. Scarlett Johansson dedans. Asteroid City. Diaz. Le casting est fou. Ouais, il est ouf, hein. Mec, toutes les 2 secondes, tu fais... Putain, la vache, mais... Combien ça a dû coûter ? Ça, mais Wes Anderson, il le fait souvent avec des... certains films où il y a beaucoup de guests. Enfin, beaucoup de guests. Asteroid City, cast. Dedans, il y a Jack Schwartzman. Maya Hawke, bon moins connue, Scarlett Johansson, Adrian Brody, Margot Robbie, Rupert Friend, moins, Tom Hanks, quand même. Et le film de toi, d'ailleurs. Sophia Lillis, moins connue, Edward Norton, Liev Schreiber, que j'adore. C'est un acteur qui est j'adore. Trop sous-côté pour moi. Il a une bonne... Steve Carell, de The Office, Bryan Cranston,
Liev Schreiber, j'attends son vrai main succès. J'aimerais qu'il ait un rôle qui lui apporte un Oscar. Ce mec-là est vraiment très bon. Il a du charisme, il joue très bien. Ceux qui n'ont pas vu Ray Donovan, c'est un peu, il est la main star dedans. Il est vraiment très très bon, cet acteur. Il y a Tilda Swinton, il y a Matt Dillon, il y a Jeff Goldblum dedans, il y a William Dafoe, Jeffrey Wright, qu'on connaît bien, après les autres, Ella Faris. Oh, c'est les gamines de Faris, hein, mais... parce qu'elles sont trois dedans. C'est n'importe quoi, le casting. J'ai jamais vu ça. C'est les trois filles. Après, moins connues les autres, quand même. Enfin, moi, je les connais moins, en tout cas. Mais rien que Scarlett Johansson, Tom Hanks, qui sont même pas, au final... Bon, Tom Hanks, c'est même pas l'un des de principaux, quoi. Tom Hanks, c'est un bon acteur, mais vous allez en entendre parler dans quelques temps, quand il va se faire arrêter pour pédophilie. Ok. Ah non, mais là, tu prends ça à la rigolade, mais tu verras, hein. Oh non, comme quand on disait à l'époque pour P. Diddy et que les gens disaient ouais, ok, d'accord, et finalement là, ça lui tombe sur la gueule. Ouais, ça va être la même. Ouais, il prend des acteurs de malade pour des rôles plus que secondaires. Mais c'est ouf! C'est ouf! Il y a des mecs où. Genre Edward Norton, bon, bon, il a un rôle important quoi, mais il y en a tellement de toute façon que le screen time est quasiment équivalent quoi. Il n'y a pas réellement de. D'ailleurs, le main mec, c'est pas Schwarzman là. Moi, je le connaissais pas pour le coup. Meryl a des airs de Edward Norton, je trouve. Par contre, moi, j'ai un problème vraiment important avec ce besoin à notre époque de faire des live action. Là, tu me dis, j'ai hâte de voir ce que va faire le film God of War, mais laissez les jeux vidéo à leur place, laissez les bandes dessinées. Ils ont besoin de. Il faut un live action. Vite, il faut un live action sur Cyberpunk, il faut une série sur Cyberpunk, il faut une série sur God of War, il faut une série sur Last of Us, il faut une série sur Borderlands ou un film. C'est bon quoi. Non mais attends, après le truc, c'est chiant. Oui mais c'est d'un point de vue cinématographique, c'est chiant. D'un point de vue marketing, au final, c'est comme Kaizen avec Inox Tag. On se rend compte qu'au final, indépendamment de la qualité du film, etc., ce qui va driver les gens dans les salles, ça sort des salles au final. Et donc, au final, c'est. Ils utilisent une marque qui marche très très bien. Et donc, dans ce cas-là, ils se disent ah ouais, bon, bah, on va faire une série Fallout, la qualité. Je ne dis pas que la série Last of Us n'est pas bien. Je ne dis pas que la série Fallout n'est pas bien. D'ailleurs, la série Fallout, moi, je l'ai bien aimée. Je dis juste que ça devient un besoin de faire absolument des séries pour faire des séries. Et la créativité originale, on la retrouve de moins en moins, en fait. Il y a une série que j'ai adorée, que j'ai conseillée à 6-4 là, récemment, qui est sous-cotée, personne ne la connaît, je suis sûr. Silo, voilà. Et ça, c'est le genre de créativité que j'aime découvrir. C'est le genre de scénario que j'aime découvrir. Il y a une vraie intrigue, il y aura peut-être une saison 2, mais à la limite, qu'il n'y en ait pas, je m'en fous, parce qu'elle se complète en elle-même la saison. Il y a un vrai travail et tout. Moi ce que je veux voir, c'est des séries comme ça qui te surprennent, qui sortent du lot. J'ai du mal avec les séries qui sont pas terminées quoi. Le principe même de Silo, tu peux la regarder. Ça s'arrête là. Voilà. Donc potentiellement, je crois qu'il y aura une saison 2, mais à la limite, tu peux vraiment la regarder, Silo. T'es pas en suspense en te disant voilà. T'as tes réponses, C'est quoi la série la plus gnangnang que tu regardes mais que tu continues à regarder? Moi, c'est Cobra Kai. Je connais pas. Cobra Kai? C'est pas un truc des années 90, cette merde? Non, Cobra Kai, c'est la série des... Non, c'est la série qui vient de sortir sur Netflix il y a un ou deux ans, là, la première saison, ou trois ans peut-être. Non, et qui est la suite, au final, avec les mêmes personnages 40 ans après de Karate Kid. Ah non, je regarde pas ça. Franchement, c'est ouf. En ce moment, si à la limite, enfin, on peut pas dire gnangnang parce que je l'aime bien, ça, voilà. Mais je me regarde toutes les. J'en suis à saison 3, là, même 4 bientôt, de Dexter. Voilà, c'est une série que j'apprécie. Ouais, elle était sympa, Dexter. Même si c'est parti en couille un peu sur la fin. Et du coup, je vais regarder par la suite Dexter New Blood qui est sorti il y a un an ou deux, je crois, la série. Bon, je lance. Dexter est. J'aime beaucoup la série. Mais oui, non, moi, ce besoin de faire des live-action, surtout, là... faut trop qu'il y ait une série live-action. J'ai un peu du mal, parce que je trouve qu'on perd en qualité. Voilà, on perd en... Au bout d'un moment, c'est...
une œuvre, enfin, Shogun, très bonne série, tu vois. Et en plus, elle a été grave bien récompensée aux Emmy Awards, je crois. One Piece, c'est de la merde. Vraiment, hein, je suis désolé, mais vouloir faire une série live action d'une série qui est animée et qui... Enfin, je ne comprends pas. Le truc mais si, tu comprends. Non, je ne comprends pas. Maximus, c'était impossible. Mais c'était impossible de ne pas faire un truc sur Netflix vu le succès et vu le fait que ce soit tellement... tout le monde en parle. Et oui, mais toi, tu confonds deux choses. La logique du marketing... Ouais. Voilà. Donc, dans la logique du marketing, ouais. Et moi, je te parle d'un point de vue, en fait, artistique. D'un point de vue logique et parfois moral. Ça sert à rien. On est en attaque, on ne veut pas attaquer... Ça sert littéralement à rien. Theme Park, vas-y. Ah non. Et on aura beau me dire, non mais elle est bien faite. Oui, elle est bien faite, la série One Piece. Theme Park, Mary, Theme Park. Ouais, quoi. Et bon, on la joue, Theme Park. Voilà, t'es content. De toute façon, on aurait été deux à voter, donc... Oui, bah c'était bon. Et voilà, donc moi ça m'embête un peu cette mode là de vouloir. Non, mais toi tu parles de logique avec tout le respect que je te dois, le fait d'être toujours dans la logique de qualitatif et d'artistique, etc., c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ton cerveau GTRP marche pas, quoi. Ben, il faut, oui, et, si les gens veulent manger moi, de la merde, faut leur donner. Une fois, je sais comment faire un bon serveur RP qui marche, mais ça va pas me plaire, ça m'intéresse pas. Et ben voilà. Ça ne m'intéresse pas. Il est là le problème. Voilà. Donc tu restes avec. Que moi, je me respecte en fait. C'est-à-dire que je ne ferai moi Mira, demain, Kate. Je suis producteur ou réalisateur. Kate, on va me dire ouais, vas-y, fais une série Rainbow Six. Merci. Et ben je ne ferai pas une série Rainbow Six en fait. Quelqu'un d'autre le fera, tant pis, mais ça sera pas moi. Voilà, et je suis fier de ça. C'est tout. Ok, mais néanmoins, tu n'es pas celui à qui on est venu voir pour faire un truc One Piece. Donc, quand bien même, vu que c'est pas toi, tu peux mettre de côté ce truc-là et te dire que, d'un point de vue marketing et dans notre société, c'est assez logique qu'ils aient surfé sur le... Faire un film... Faire un film sur One Piece, c'est aussi important que de sortir, dans les années 90, un jouet sur un truc qui marche bien. La même chose. D'un point de vue marketing, je le comprends, mais le marketing, si c'est ça qui va dicter notre société, on est dans la merde. C'est ce qui dicte notre société, en fait. On est dans une société capitaliste. Le marketing, c'est la merde. Puisque toi, tu pars de côté artistique, laisse-moi te dire que le marketing, peut-être que c'est l'art de savoir vendre. Mais c'est l'art de faire rêver. J'ai adoré cette phrase dans Mad Men. Attends, il a dit quoi? It's about happiness. C'est ça. Advertisement is about happiness. C'est ça. Et c'est tellement vrai, tellement juste, tellement... Oui. Et ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'elle démontre aussi le sale côté de ce boulot, de ce job. Tout à fait. Et du coup, cette série ne t'a pas ouvert sur la possibilité de croire que, au final, la publicité c'est un art quelque part. Outre le fait qu'une affiche soit belle. Moi, je pars du principe que dans chaque domaine, il y a une partie artistique. Un garagiste, pour moi, il y a forcément une part artistique dans la réparation d'un moteur, par exemple. Vraiment, je vois de l'art partout. Merci Raftouche pour les 27 mois. Hello everyone. Viens, on se concentre, poulet. Where are they? Ok. Il te l'a dit sur le ping 1, visiblement. They're top or... Yeah, 50 floor. Ok. But where? Which side? Viens, on attaque ensemble. I'm a drilling cafeteria. La plupart des films sont pompés. Oui, mais je fais une différence avec cette mode du live action. Attends. Mary, s'il te plaît. Parce que tout à l'heure, ça va faire la même chose. Excuse-moi, poulet. Mais let's go, concentre-nous et après... Là, dans 3 secondes, ça va être. Ils sont où d'ailleurs? Ouais, je te connais. Where is it? Breakthrough. I don't know if he moved. I'm fine. It was dark, but I don't know if he moved. The dark. Yeah. Nice. Mais c'est une tête que je mets! Tu peux regarder mon drone, please, Mary? We have time. 2v2, hein.
Prends mon drone, s'il te plaît, mon poulet. Un peu de sandbag at the back. Une tête, on est d'accord. T'as deux drones, poulet. J'en ai qu'un. Take this diffuse. Come plant, bro. Located a bomb. You have the drone, no? On site, on site. On ping, on ping. Let's go. Nice, Mary. Non, bah pas nice. C'est pas nice, elle là, cette pute là. Tu t'es tué, t'as regardé les cams. C'est, donc c'est nice en fait. Je lui ai mis une grosse balle dans la mâchoire là où je suis. Et elle meurt pas. Dommage. Et c'est moi qui meurs derrière. Let's go. Ouais, c'est, je deviens flou quand je m'énerve. Plus je m'énerve, l'autofocus... Ouais, non, c'est pas l'autofocus, c'est vraiment moi. Je suis vraiment flou. Merci Cabe pour les 23 mois. N'oubliez pas, vous pouvez faire des subgifts en ce moment. Et c'est moins cher. Tout est moins cher en ce moment. C'est juste moi, là, je suis flou. Et comment dire, le September Twitch rajoute au bout de votre subgift des subs bonus. Profitez-en. Je vais changer l'opérateur. Bon. Oui, il y a le time. Putain, j'ai oublié totalement. Je suis le seul à oublier le boost sur le drone. My first one. Ok. À 47 jours pour la saison 2 de Silo. Nice. J'étais pas au courant qu'elle allait arriver aussi vite. Ok, same spot. Do you want to attack from the other side? Viens, on attaque de l'autre côté, poulet. C'est quoi l'autre côté? Donne des noms. Excuse-moi, ouais, t'as raison. Du côté bumper. Ok, auto-tamponneuse. Auto-tamponneuse. Allez, let's go. On se concentre. I'm good. Oh, we're gonna attack from bumpers. Et subez-vous, s'il vous plaît. Ouais, il a raison. Y a des wave, t'es pas sub. Is ok, t'es pas sub. Vous êtes déjà pas nombreux. Mais plus que d'habitude, on a fait le double, hein, on est à 45 là. Mais quand même. J'ai besoin de soutien, voilà, je vous le dis sincèrement. On en a tous besoin, mais Ok, ouais. Let's run top. One on ping. In the toilet. Tu en voles une. Ok. C'est pas obligé d'être ta CB. Attends, je vais pas partir solo parce qu'après je vais gueuler que je meurs et... Attends, ouais, j'arrive. Vas-y. Drone le VIP. Attends, je prends le rappel. Alright, there is no one on ping. Ok, oh, j'en ai yeah, un dans les toilettes, dans les Azami, toilettes Azami. J'en ai un. Oh putain, il est vite, mais j'ai pas de chat. Il est dans les toilettes toujours 6, c'est ouais. Un doc. Ah mais il y a la Azami à gauche. Je vais essayer de le cramer. Nice, c'est un monstre poulet. Il y a la Azami sur ping, elle m'impacte. Ok. Toi, dude. Essaye de prendre la ligne au-dessus de moi. Ok, je l'ai la ligne au-dessus de toi. À ma gauche, dans les toilettes. Planting. Ok, je l'ai. Mortel. T'es un monstre. Et dans les toilettes, tu dis qu'il y en a une? Non. Non, si. Toilettes, bathroom, inside the bathroom. Oh putain, mais ce qu'elle me met. Don't go, she's good. She's going to rotate behind you, Ice. Probably. Non, mais il triche. Je crois qu'il triche. Probably cheating, careful. Good. Ice, can you. Ash, can you go here? Watch out, Ash. Yeah, we got the cam on diffuse. She's coming for Ash. It's okay, get this guys. One friendly operator remaining. GG.
Is it cheating? GG les gars. Je pense qu'il cheat le 1D10. Ce qu'il m'a mis, il m'a regardé derrière le mur. Je pense qu'il wallack. Je pense qu'il wallack le 1DD life là. D'ailleurs, je vais le report. Ce qu'il m'a mis, c'est trop louche. Il regarde derrière le mur. Il me voit. Enfin, si, si, il cheat en fait. Signalé, hop, triche. Bon, moi, il m'a remis de chelou, mais. Hyper chelou. Moi, on me dit dans le chat. Cheat à 100%. Après, c'est Capichef qui le dit, donc c'est pas bon, forcément une référence. Tout pour le KD, j'avoue. Oh là, le mec, il peut faire autant de kills qu'il veut, je m'en bats les couilles. Tant qu'on gagne le round. Oui, c'est un peu ça. Mais là, c'était bien, là. Le kill était parfait. Heureusement, tu me sauves sur la Valkyrie. Oui, bah bon, après, c'est mon rôle. Hein, mais c'est bien, non. Tu t'es dit, attends, je vais aller avec lui. Je vais jouer 0. Je sais pas pourquoi. They're not drugs. They might go throw, non. They are not thrown. They are not drugs, not thrown. So they are top floor. Where? Oh, the same spot. The same spot. Okay, okay. I was top 600 champ. Oh, bon, déjà, tu sais que le mec il cheat en disant ça pour une excuse. Spawn kill. No, one exactly on my ping, guys. Exactly on my ping, not moving. Attention, spawn kill. Not moving. Come with me. Ash, come with me. Come. Yeah, right behind you. Exactly on my ping, okay? You ready? 3, 2, 1. Nice, let's go. Doc is there, watch out. We have time. Yeah, we're back outside. C'est quoi le projet? C'est bon, c'est bon, on a fait le kill. Run on ping 5, run on ping 5, not moving. Run on ping 5, not moving. Moving right now. Run on ping 4. Bringing my drone back. Can you open the hatch? Okay, nice. One on ping, on ping. Oh, je le tue pas. Il s'est fait doc. Moi, j'ai pris une nade. Blood tag, I am on the show. Still the Azami in the toilet. Reste là où t'es, t'es parfait, mon poulet. Dead. Loading map. Target set. You located a bomb. So Legion is here. Legion est là, hein. Tu peux le tuer peut-être. Ah, il y en a un deuxième, il y en a un deuxième à la porte. Two on site. Two left side. One bathroom. I'm gonna fuck the guy bathroom. On me. Merci Wave. Duck on the wing. In the vault. Je donnerai pas. She jumped. One is B. She jumped. And the other one is the top yellow. 5 seconds remaining. Bomb is protected at the front line. Run on P5. Coming right now. Hold up. She's in front of me. Let's fall back. It's okay. Nice, bro.
Bien joué les copains. Very good one tap. GG copain. GG copain. Je suis en live depuis 8h du matin. Je réalise là, on est parce que ça fait 8h01 minute que merci, je suis en Osakin, live. Merci pour les 6 mois, vous êtes des monstres les amis. 18h. Ah non, donc là, je suis en live depuis 10h du matin. Hein? Bah si. Je me suis levé à 8h du matin. J'ai commencé le live à 10h. Guys, don't you want to go throne and we take like mute and bandit and tubarrow and shit? Prends un mute, prends ton mute, ouais. Il est pris. Perfect. Il est pris. We might need a Wamai. Je peux prendre le Kaïd. Wamai. Putain. Ah merde, vigile, non. Mais il est pris, Wamai. Ok, bon, reste sur site et joue avec les impacts au-dessus, ok? Ah mais tu sais pas quelle arme j'ai avec vigile. C'est pas grave, le BOSG, mais tu resteras sur site. C'est une de mes armes préférées, hein, mais... Ouais, bon, faut pas faire de kill. On veut juste que tu joues sur les impacts. Je vais tenir des lignes, hein, je te le dis tout de suite. Donc on veut juste que tu joues sur les impacts. Ok. Tu peux aller renforcer la trappe au top avec ton vigile ouais. Celle qui est au-dessus de ta tête, là. Ah, j'y vais. Bah elle a été faite. Elle a été faite. Yeah, let's go. Fais gaffe, bouge-toi, vigile. Tu joueras les impacts au-dessus, hein. Essaye de péter ouais. Avec ton BOSG les un peu plus au-dessus, là. Me? The sure one. Allez, t'es bien, mon poulet, là. Fais gaffe, ton arme dépasse. Ouais, c'est vrai que ça, c'est un truc que je prends jamais en compte. Gridlock. Ok, j'ai pété le truc. Sur moi. Blitz sur moi. Je l'impacte. Comment ils vont? Ouais. Gridlock was there, tu vois. Oh merde! Le nombre de balles, quoi! On est en MBB and statue, Dragon! Pourquoi tu me rends pas servi? Tu me rends pas servi. Let's go, focus. Impossible de perdre ça. C'est très vide. Ah, to be honest, we just lost our duel. Bien joué l'impact en attendant. Allez, let's go. On se focus, qu'on la termine vite fait, après on peut faire ce qu'on veut. Là, tu t'es pas focus, Mary. Non, parce que j'ai un chat sur bah moi. Bah ouais, je sais, poulet. Essaye de... Et tiens. Ouais, dernier round, et après on arrête. Max, tiens. Allez. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Well reinforced. Bien mettre Alibi aux fenêtres là au pire. On est que 4 en plus. Offset.
I don't see anyone pushing from east. Deploying the bait. They're all pushing from cafeteria. Place device. Deploying my trump card. Cafeteria. Door barricaded. Reloading. C'est incroyable ce jeu. Meurs pas mon poulet, t'es un monstre. One yellow, one jump in main. One blitz server, CCTV. Blitz is going to bathroom. Blitz on ping. Blitz on ping. Fais le tour, vas-y, poulet, j'ai la cam. 1v5, c'est ton clutch. Rotate. Y'en a un qui arrive. Mais là, je lui mets encore des balles en premier, quoi. Merci Lios pour les 25 mois. Ah. Là, faut se concentrer parce qu'autrement, ça va être hyper frustrant tout à l'heure. Pas d'alibi et tout machin. Let's go. Il est face à moi, je tire dessus, il meurt pas. Il tire dessus, je meurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Let's go. C'est hyper frustrant ça. I'm gonna be roaming though, otherwise we're dead. We need a bandit. Mais il faut un bandit. Mary, bandit. Mary. Ah pardon, excuse-moi. Let's go, on est vu 4 en plus. Mets directement tes trucs. Ah, c'est yeah, deux fois que ça me fait ça dans la game. Hein, où le mec, pas, même endroit en plus. On se concentre sur ce round-là. There is a blitz again. Blitz is in barrel. Vigil, they're pushing market, like cafeteria, two. Hibana. You can probably flank. They're not watching on this side. One more arcade. Op 4 located a bomb. Protect it. Lift inside. Il est mort. Mort aussi. One main. 6-4, j'en ai eu deux. Tu me félicites pas? Bien joué, mon poule. Dommage.
Both there? Ça va arriver à ma porte ici. Mais c'est quoi ce pré-shot de fils de pute là? Wow, 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 wow. On me. Boss. Les deux. J'ai eu le mec. L'autre je sais pas où il est. Ils sont à deux top, on est ensemble. Mec, j'ai. Attends. Bouge pas, t'as un monstre, mon poulet. Dragon stairs. Ici. Dragon doll. Ok, j'ai la ligne. Tire. Il me voit, il y est. Nice, t'as un monstre mon poulet, let's go! La moins 4, guerrier. Nice! C'est ça qu'on veut là! Là tu peux aller le tripoter là! Regarde! Wouka! C'est moi qui fais ça! Non, c'est moi. Ok, bah pas au pied de l'arracher mon casque. Hein. En 4v5 là! T'as fait une moins 4 là? Oui, là j'ai fait une moins 4 là. J'ai fait la moins 4, mon pote, j'ai 4K? Tout donné. Putain, mais voilà, t'es resté sur site, t'as pris bandit, t'étais là, ok? Y'avait pas ton chat et tout. Maintenant, tu peux aller le sucer, ton chat. Oui, c'est tu vrai, peux aller manger un coca, tu peux aller faire les clopes, là, c'est bon, là, c'est la fête, c'est la célébration, ok? Mais c'est beau, ça. Likez, commentez, bande de fils de pute, et faites des subs, bande de chiens. Putain, obligé de donner le meilleur de nous-mêmes alors qu'on a 70 ans. Oh, bronze 5, les gars. On a gagné. On a fait mal. On est BG.